Ma présence d'abord indique
l'attachement du gouvernement de la République pour non seulement cette province, mais tous ses habitants, et surtout notre détermination dans la quête de la paix dans cette partie de la République. Bien sûr, ici nous sommes venus avec une forte délégation des membres du gouvernement, mais aussi accompagnés du chef d'état-major ainsi que du commissaire national de la police. Et notre but ici, c'est d'abord bien sûr le premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi d'autres volets qui vont être abordés, notamment les sites qui doivent accueillir la prochaine visite de Sa Sainteté le Pape François, ainsi que parce que nous parlons de ces questions de paix, nous devons aussi parler des questions de développement. Et donc, dans ce volet-là aussi, il y aura quelques visites qui vont s'effectuer. Le but, c'est que, comme vous le savez, selon la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici, c'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et ainsi que de la police, qui tous les jours se sacrifient, qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi leur rendre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à continuer à soutenir nos forces armées ainsi que de la police dans cette lutte dans laquelle nous sommes et vraiment éviter tous ces messages détracteurs qui ont tendance à vouloir décourager tout cet élan pour ramener cette paix ici dans cette partie du pays qui n'a souffert que depuis plusieurs années. Et donc c'est le but un peu de notre visite ici. Nous allons prendre le temps aussi d'échanger avec les forces vives de la nation pour communier avec la population que nous sommes venus visiter. Donc j'ai tenu vraiment à donner un résumé. Nous aurons d'autres occasions pour échanger tout au long de mon séjour ici. Donc juste un message à la population. Le but, c'est que, comme vous le savez, selon la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le Président de la République, celui d'ailleurs même qui nous envoie ici. C'est d'abord de venir apporter un message de soutien aussi à nos forces armées et à ceux qui nous attendent, qui tous les jours se sacrifient et qui tombent jusqu'au sacrifice ultime sur le terrain, ainsi que bien sûr les victimes civiles que nous avons. C'est une occasion de venir aussi dans notre hommage pendant que nous sommes là et encourager bien sûr le travail qui se fait sur le terrain. Inviter toute la population à continuer à soutenir nos forces armées ainsi que la police dans cette lutte dans laquelle nous sommes et vraiment éviter tous ces messages des facteurs qui ont tendance à vouloir décourager tout cet élan de ramener cette paix ici dans cette partie du pays qui n'a souffert que depuis plusieurs années. Donc c'est le but un peu de notre visite ici. Nous allons prendre le temps aussi d'échanger avec les forces vives de la nation. Avec la population que nous sommes venus. Donc j'ai tenu pour moi à donner un résumé. Nous aurons d'autres occasions pour échanger tout au long de mon séjour. Donc juste un message à la population.
normal avec le Premier ministre. Quel est le pourquoi de cette mission? Ce qu'il faut retenir, c'est que, et je l'ai dit, je crois, à l'aéroport, la République démocratique du Congo, c'est notre pays, à tous. Le Nord Kivu, l'Ituri, c'est chez nous. Les FARDC, c'est notre armée. On n'a pas une autre armée, c'est notre armée. Et la paix, c'est l'objectif que nous avons. Et donc, il y a un grand travail qui avait été fait au niveau de l'Assemblée nationale, dans la commission défense et sécurité que je préside, un travail d'évaluation de l'état de siège. À l'issue de cette évaluation, il y a eu des recommandations qui avaient été faites au niveau de l'exécutif. Un grand travail a été fait au niveau de l'exécutif jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés pour évaluer la mise en œuvre des recommandations qui avaient été remontées au niveau de l'exécutif par l'Assemblée nationale. Et il faut comprendre par cette mission, une première d'ailleurs, c'est que c'est une mission gouvernementale, mais aussi de l'Assemblée nationale, où vous avez le Premier ministre avec tous les ministres concernés par l'état de siège. Et puis vous avez la commission défense et sécurité, les députés nationaux des différentes provinces concernées par l'état de siège. Nous sommes venus tout simplement pour évaluer l'état de siège sur terrain, mais surtout évaluer la mise en œuvre des recommandations faites par l'Assemblée nationale à travers la commission défense et sécurité. Et donc je reste positif et je pense que vous devez nous laisser faire le travail. C'est pour ça que nous sommes venus avec un seul souci, nous rassurer que ce que nous disons à Kinshasa s'applique réellement sur terrain. Nous n'allons pas nous limiter ici, nous allons aller à Ituri, nous allons poursuivre et voir si réellement les choses se font telles que nous le souhaitons pour que très rapidement la paix puisse être restaurée, hein, telle que le veut le président de la République qui est le commandant suprême des armées. Honorable, pourtant certains estiment que l'état des sièges a aujourd'hui un bilan mitigé. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, vous pensez que, je crois que pour ceux qui ont suivi la dernière plénière de la prorogation de l'état de siège, j'ai été clair là-dessus. On a décrété l'état de siège avec un objectif précis. C'est de restaurer la paix dans les deux provinces concernées par la situation d'insécurité. Et à ce jour, il s'avère que le résultat n'est pas encore atteint. Nous sommes tous très préoccupés. Malgré l'état de siège, on continue à enregistrer de morts, de massacres. Et je pense que l'objectif de cette mission, c'est de voir comment nous pouvons faire les choses de manière à ce que nous puissions réellement atteindre l'objectif pour lequel l'état de siège a été décrété. Voilà. Vous êtes pour la requalification de l'état de siège? Nous sommes pour la paix. Et donc nous prendrons toutes les décisions ensemble avec le Premier ministre et nous allons orienter les choses au niveau de l'Assemblée nationale et donner des orientations pour que le président de la République puisse atteindre cet objectif qu'il s'est fixé de restaurer la paix au Nord Kivu et en Ituri. Merci beaucoup. C'est sur 5 ans, 10 ans, 20 ans que le pays court et le piste des solutions pour des solutions citoyennes par rapport à ces menaces sécuritaires ou ces menaces de la défense. Mais la RDC n'a pas un livre blanc. Et bien voilà la première chose qu'il faut d'abord proposer. Et puis, vous le savez, nous avions demandé à ce que l'on puisse requalifier l'état de siège, que l'autorité militaire puisse se concentrer, se focaliser. Et pour cette question, j'allais oublier, parce que c'est une question importante. Et d'ailleurs, si nous sommes là aussi, c'est parce que justement, nous voudrions encore insister sur notre proposition que nous avons plusieurs fois depuis plus de 2 ans proposée au sein de notre commission. Et notre proposition qui avait fait l'objet d'une grande délégation du ministère de la Défense avec l'Assemblée nationale. Et nous étions ici pour évaluer la faisabilité, pour étudier la faisabilité du déplacement de ces camps Katindo, car source d'insécurité. Vous le savez bien, il y a des bandits qui opèrent de scélérats et puis par la suite, ils se rétractent dans le camp Katindo, également le camp Munzenze. Et donc, je n'étais pas d'accord à ce que l'on puisse faire cette délocalisation à la diable, c'est-à-dire vite et mal. Parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas encore lancé appel d'offres. Moi, j'ai insisté pourquoi on veut procéder au troc. Il y avait un entrepreneur ici, un commerçant qui voulait construire ailleurs et puis s'attribuer les camps
pour morceler ça. Et moi, je m'étais opposé et je n'avais pas signé le rapport que les autres avaient signé. Même si le ministre de la Défense à l'époque, c'était le promoteur de mon mémoire de licence à Lubumbashi, mais ça, cela n'avait rien à voir. Il faut travailler sans complaisance. Il ne faut pas faire les choses. On nous dit qu'on va construire un casernement de plus ou moins 200 maisonnettes. Alors que le camp contient plus de 10 000 familles. Malheureusement, avec des civils aussi dedans. Et donc, nous avons exigé qu'on puisse d'abord identifier le nombre de familles qui sont dans le camp. Et puis, il y a des préalables pour ça. C'est comme ça que je m'étais réservé de signer ce rapport-là. Donc ça, c'est... Moi, je pense que, malheureusement, nos autorités, la République des inconscients, on veut toujours à ce qu'il y ait des incidents et par la suite, on se revêt de son sommet dogmatique et commencer à décrier alors qu'il y a déjà eu mort d'homme. C'est comme à Kinshasa ce qui s'est passé sous les fils électriques de tension Inga, de Matadi Kibala. Il a fallu que les gens trouvent la mort pour que les chefs de l'État et les autres se déplacent pour aller chercher à faire semblant de trouver des solutions. Eh bien, je crois que gouverner, c'est prévoir. Et tous les militaires qui gèrent cette province, qui ont fait les collèges des hautes études de stratégie et défense comme moi, ils connaissent bien le module qu'on appelle éveil et anticipation stratégique. Ben, ils doivent appliquer ça, sinon on va attendre encore qu'il y ait mort d'homme. Je ne sais pas si c'est le djihadisme finalement qui arrive à Goma, mais on attend quand même que les enquêtes qui ont été diligentées puissent nous dire quoi par rapport à ces dossiers. Et je crois qu'on va évoquer cette question également avec le Premier ministre. Mchaguliwa Mufula, Leo Waziri. Excusez. Ah, ben, il est parti.